Einerseits mit Kirche, der andere Seite mit Fußballsterra, noch daneben mit Straße. Das heißt, wir sind begrenzt an den Platz. Wir können die Kirche nicht vergrößern, weil dann müssen wir einen zweiten machen. Und deswegen sind wir ein Strabu gewesen, Gräber, die nicht mehr benutzt gehen, zurückzukriegen, für sie können weiterzugehen. Teilweise für Norm Freya waren die Familie relativ groß, wir haben relativ viel Erwin und die Informationen mussten einfach zusammen ins Gesicht gehen. Was relativ viel Arbeit ist, teilweise. Einfach für das Ganze mal informatisch zu holen, weil Bischof das aus die Fallen also nehmen. Sie sind uralt und einfach viel mehr Informationen zu sammeln, da den das Ganze auch informatisch mal kann durchsichern. Ben donc l'application de gestion des cimetières, ben aide les communes dans la gestion des cimetières évidemment, mais surtout au niveau des concessions et de l'emplacement des défunts. Un gros avantage de l'application, c'est qu'on garde un historique de tout ce qui se passe dans les cimetières des communes. Autre avantage, évidemment, c'est qu'avec l'application cimetière, au niveau des concessions, ils ont une fonctionnalité qui leur donne toutes les sépultures, donc toutes les concessions qui sont arrivées à échéance. Ça veut dire que automatiquement, ils peuvent faire leur rappel de concession. In der Energiemanns-Flotte fanden als Dokumentation, das heißt, ich kann Sachen scannen, an mit einzelnen Punkten am Programm verlinken. Das heißt, zum Beispiel Permis d'Inhumation von einem Verstorbenen, da kann ich einfach drauf klicken, Bild geht ab und schon all meine Informationen selbst für Titre, also Contrat de Concession. Auch mit, wenn ich bei Kontakt habe, ich etwas dabei setzen, kann ich mir alles daran scannen und dann habe ich direkt alles bei Hand. Ça veut dire que si un concessionnaire lui téléphone et lui dit, bah, tiens, j'ai reçu le nouveau contrat de concession, à la page 2, ligne 24, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Le concessionnaire, devant son ordinateur, à l'écran, télécharge le document et a le document tout de suite. Donc il n'est pas obligé de se lever, d'aller dans une armoire, chercher la farde. Donc il a vraiment tout à disposition. Didier hat mich darüber gesprochen, ob wir wollten so ein bisschen Beta-Taster machen vom Programm, für das ganze Problem herauszufinden, wie schafft es der Mutter, aus dem Handling gut, aus dem einfach. Und wir hatten da relativ rege Kontakt, ich war ein paar Mal heute, da ist erklärt, wir haben ihm erklärt, wie wir es gesehen haben, was wir anders gänge machen. Und da habe ich ihn auch heute noch, sobald ich einen Fehler gesehen habe, schreibe ich ihm direkt, ich kriege normal was in der selber noch eine Antwort oder rief mal an, wir gucken, ein Problem zu lösen. Das machen die das ganz gut schaffen. Au niveau de la collaboration avec les communes, c'est évident qu'on est obligé de la maintenir. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de la maintenir? Parce que moi, je ne travaille pas avec l'application cimetière. Moi, quand je regarde l'application, je regarde les grandes fonctionnalités et je ne vais jamais dans le détail. Et moi, je n'ai pas de vrai dossier. Tandis que dans les communes, eux, c'est eux les professionnels, c'est eux qui utilisent l'application, c'est eux qui ont des soucis avec l'application. Et donc, je suis obligé d'aller voir les communes, de leur demander comment ils travaillent, pourquoi est-ce qu'ils font ce travail-là, comment ils sont organisés. Et donc, ce que j'essaie de mettre en place, c'est une certaine confiance entre eux et moi, et surtout qu'ils n'hésitent pas à me faire un mail ou un petit coup de téléphone et à me dire, bah, écoute Didier, là, il y a un souci, là, ça ne va pas. Quelquefois, et ça arrive, on me téléphone pour me dire, ça, c'est bien. Et donc ça, c'est agréable aussi.